Ma Mission TV, le miroir du monde. Qui se trouve aussi être mon beau-père, les grands-pères et mes enfants. C'est notre héros. Parce qu'il faut montrer au peuple que nous avons été derrière Mzé Laurent Désiré Kabila. Sa mémoire continue. Aujourd'hui, nous sommes derrière celui qui a poursuivi ses œuvres, Joseph Kabila Kabange. À ce qui concerne la situation actuelle de la République démocratique du Congo, il y a un seul mot d'ordre. Le testament qui nous a laissé, c'est de ne pas trahir le Congo. Ma Mission TV, le miroir du monde. A déposé sa gerbe de fleurs. Merci, c'est quoi cette papa? Chante. S'il vous plaît.
a déposé sa gerbe de fleurs. Monsieur, c'est quoi ça dit? Papa, chante. S'il vous plaît. Ans de la disparition tragique de Musée Laurent Désiré Kabila. Et quelle est votre analyse par rapport à il y a 19 ans? Qu'est-ce que vous voulez que moi je puisse analyser? Tout d'abord, je vous salue, bonjour. Et je vous souhaite mes meilleurs voeux. Bonne année 2020. Je ne sais même pas quel mot placer pour estimer la grandeur de cet homme-là, Musée Laurent Désiré Kabila, qui se trouve aussi être mon beau-père, le grand-père de mes enfants. C'est notre héros, c'est le héros national qui nous a laissé un très très grand héritage. Et je les remercie encore
et toujours je ne manquerai de le faire, ce grand merci de nous avoir donné ce fils, ce digne fils, Joseph Kabila Kabange, mon époux, le président honoraire de la République démocratique du Congo, qui, comme vous le savez, a contribué et continue à contribuer pour que la souveraineté du Congo soit respectée. Et je continue encore une fois de dire merci Mzé pour nous avoir appris c'était quoi la valeur d'une patrie, puisque il a perdu sa vie pour cette patrie. Et donc, je les remercie de nous avoir appris qu'il ne faut jamais trahir son pays. Alors, nous ne trahirons jamais le Congo. Et nous avons fait le serment que nous allons suivre cette idéologie de l'autoprise en charge jusqu'à ce que Dieu nous enlève de ce monde. Je vous remercie. Merci. J'étais très proche de Mzé. Et ma priorité a toujours... Go! 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 Go!
Parce qu'il faut aller juste là, voilà. Monsieur encore excellent, saute. Excellence, quel est le sentiment qui vous anime après cet événement? Le 16 janvier de chaque année, comme le 17 janvier également, pour nous ce sont des journées spéciales. Des journées spéciales qui nous permettent pour cette, aujourd'hui de commémorer encore la mémoire de Mzé Laurent Désiré Kabila qui a été tué, assassiné lâchement dans son bureau de travail à ce jour. Nous pensons encore à lui et nous avons un sentiment que son œuvre continue et continuera et nous assurons à tous ceux qui nous suivent que nous allons nous faire perdre nous prendre en charge pour la dignité du peuple congolais et nous n'allons jamais trahir notre pays. Et pourquoi cette marche avec beaucoup de militants de votre parti derrière? Nous avons marché parce qu'il faut montrer au peuple que nous avons été derrière Mzé Laurent Désiré Kabila, sa mémoire continue. Aujourd'hui nous sommes derrière celui qui a poursuivi ses œuvres, Joseph Kabila Kabange, chef de notre parti politique et président honoraire. C'est pour montrer que Mzé est là, Mzé est encore vivant à travers la symbolique marche que nous avons organisée aujourd'hui, nous le PPRD. Merci. Par rapport à la situation sécuritaire de notre pays et partant aussi du testament qu'il nous a légué, nous, peuple congolais. Qu'est-ce qu'il faut dire par rapport à la journée du jour? Oui, merci, messieurs les journalistes. Aujourd'hui, c'est un grand jour pour tous les Congolais. Vous-même, vous êtes en train de constater l'engouement qui est là. Tous les partis politiques, toutes tendances confondues, opposition, majorité, société civile, nous sommes venus pour commémorer notre héros national. À ce qui concerne la situation actuelle de la République démocratique du Congo, il y a un seul mot d'ordre, le testament qui nous a laissé, de ne pas trahir le Congo. Et c'est ainsi que nous, peuple congolais, nous sommes derrière notre force d'armée nationale, nous sommes derrière nos forces de renseignement, de sécurité, nous sommes derrière le gouvernement pour soutenir nos frères qui sont au front pour bouter hors étant de nuit ceux qui veulent la balkanisation de notre pays. Voilà, aujourd'hui, ce n'est pas de la tristesse, mais c'est un grand jour pour les Congolais. C'est la joie de voir un homme qui avait les idées fortes, les idées constructives pour le Congo, mais arraché sauvagement par les ennemis du peuple. Et donc, voilà, nous sommes là. Et on est en train de fêter, je peux dire ça, en fait. Le jour de sa mort tragique. Ndeko likinda toyawa tokaki yango yambo akufalo baka yango yango tokobika mikolo malelo tokoloba nini na bayimbo kanyoso bakolanda biso Mzé akufi mais Mzé akufa. Ma mission TV, le miroir du monde.